Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des reviews de films. Et dans cette vidéo, on va traiter du film Jeanne du Barry de Mai Wen avec Mai Wen en rôle principal et Johnny Depp. Si ce genre de format vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez vu le film ou avez un avis sur ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, sachant que dans cette vidéo, je pense qu'il y aura majoritairement de non-spoil pour une fois. Plutôt que de spoil, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le personnage de Mai Wen déjà en tant que tel. Donc Jeanne du Barry, c'est l'histoire de Jeanne du Barry, du nom, la maîtresse et favorite de Louis XV. Ça reprend vraiment les faits historiques, évidemment tournés sous un fond de film romancé, évidemment. Mais c'est vraiment littéralement l'histoire de Jeanne du Barry qui est une femme éduquée qui vient du bas peuple, qui devient la favorite du roi, sauf que ça plaît pas à la cour. Globalement, sans spoiler, et si vous connaissez pas l'histoire de ce personnage historique, c'est ça qu'il faut savoir. Mais avant de parler du film, je trouve ça quand même intéressant de parler du personnage de Mai Wen, directement l'actrice, j'entends la réalisatrice, parce que Mai Wen, il y a quand même un sacré bagage, et je veux en parler parce que moi, quand je suis allée voir Jeanne du Barry, bah ça a joué en fait. J'ai beaucoup hésité à aller voir ce film parce que bah en fait de ce que j'en entendais ça me parlait pas du tout et c'était lié au personnage de Mai Wen en tant que tel. D'ailleurs je suis désolée, il y a un gros espace blanc de lumière là, c'est parce que la fenêtre reflète sur la peinture. J'ai pas encore de rideau et j'ai pas d'autre endroit où filmer où ce serait plus adapté, donc bah désolée, il y aura cette zone de blanc pas très jolie mais tant pis. Alors, qu'est-ce que j'ai entendu de Mai Wen? Bah en fait, j'avais regardé une vidéo TikTok quand le film est sorti et que ça a commencé à faire parler sur Mai Wen, où elle expliquait un petit peu la vie, ses positions politiques, etc. Alors, il y a des trucs qu'on peut lui reprocher, il y a des trucs qu'on peut pas. Par exemple, le premier truc, c'est qu'à 15 ans, elle s'est mise en couple avec Luc Besson et elle s'est fiancée avec lui à 17 ans. Lui, il en avait quand même 15 de plus, c'est relativement incompréhensible. Mais c'est dur de la blâmer. Elle était jeune, elle s'est fait groom par quelqu'un qui était adulte. On peut pas reprocher à une gamine de 15 ans de céder aux avances de quelqu'un qui a 15 ans de plus qu'elle, surtout que à ce moment-là elle avait peut-être déjà envie de se lancer dans le cinéma, elle avait peut-être envie d'être dans ce milieu-là, Luc Besson il avait déjà un nom, enfin c'était pas n'importe qui à l'époque, donc en plus ça devait jouer. Donc pour moi dans ce cas de figure-là c'est déjà un commencement de vie qui est très particulier, mais c'est pas reprochable, on peut pas lui reprocher d'avoir été en couple et marié à Luc Besson. Surtout qu'en prime de tout ça, il l'a quitté pour Mila Jovovich, enfin c'était... Elle avait fait ses débuts dans le cinquième élément, si je dis pas de bêtises, enfin bref, c'était pas forcément un début de vie qui était très facile et un début de vie qui est à reprocher. Mais c'est vrai que c'est pas non plus quelque chose qui lance sur des bonnes bases, j'ai envie de dire, parce que du coup après, moi, ce qui m'a commencé, disons que ça c'est vraiment un événement, on se dit mais what the fuck, Marie à 17 ans, comment c'était autorisé déjà, mais... Ce qui, moi, a commencé déjà à me faire un petit peu questionner sur Mai Wen, c'est qu'elle avait quand même des positionnements qui étaient très particuliers, c'est-à-dire qu'elle était quand même là à dire, enfin, sur le féminisme, en mode, féminisme, on en pense ce qu'on veut, mais moi, je comprends pas trop qu'on puisse être contre. Alors, il y a le féminisme militant et il y a le féminisme juste, on veut l'égalité et pas être en danger quand on se balade la rue. Dans la rue, c'est le minimum, je pense. Mais Mai Wen, elle avait ce côté en mode, oui, mais non, mais faut pas s'en prendre aux hommes, les hommes, faut les aimer, les hommes, faut les... Enfin non, pas les violeurs, non. Donc c'est... Enfin, elle avait déjà ce positionnement un peu comme ça. Je sais qu'elle a un positionnement très anti-MeToo, alors que c'est quand même un mouvement qui a été important dans le showbiz, à Hollywood, auprès des actrices qui se faisaient quand même souvent à toucher, qui subissaient souvent une pression de la part des producteurs, des réalisateurs. Donc moi je trouve ça hyper... Et pas que. Donc moi je trouvais ce mouvement hyper important et elle a été ouvertement anti ce mouvement. Elle a été ouvertement pro-Polanski. Alors Polanski, à nouveau, c'est un sujet très tatillon, donc je vais pas trop m'aventurer dessus, mais Polanski, c'est quand même un mec qui a couché avec des mineurs, voire des enfants violés, j'entends, V-word pour YouTube. Donc c'est quand même... Enfin, c'est pas n'importe qui. Et oui, il y a tout le débat du « oui, mais il a été innocenté aux États-Unis », enfin bref, et on peut pas être jugé, enfin, il y a eu tout un truc comme ça, mais en fait, on s'en fiche, parce que il y a le personnage derrière qui a fait des choses comme ça, et on peut soutenir la filmographie de Polanski en disant que c'est un très bon réal, ça pour moi il n'y a pas de problème, mais de là à soutenir le personnage, ça c'est autre chose. Donc là c'est déjà deux positionnements qui font un peu grincer les dents sur Mai Wen, et avant la sortie du film Johnny Depp,
elle avait fait un interview en disant, enfin du film Jeanne du Barry avec Johnny Depp, elle avait fait un interview en disant oui, moi j'ai voulu caster un acteur pour jouer le rôle de Louis XV, entre guillemets, que j'avais envie d'embrasser, etc. Et c'est vrai que ça a fait aussi un peu de débat sur les réseaux sociaux, cette affirmation, parce que les gens disaient, non mais imaginez, on inverse les rôles et c'est un réalisateur masculin qui dit oui, moi j'ai casté Angelina Jolie parce que j'avais envie de lui rouler un patin, enfin... C'est vrai que sur le papier, c'est bizarre. Mais moi, j'avoue que je trouve l'affirmation étrangement tournée, mais j'ai envie de dire, on peut le nuancer autrement, c'est que elle voulait avoir quelqu'un avec qui elle avait une alchimie, parce que bah, sur l'écran, elle joue sa femme. Donc si elle a pas d'alchimie avec l'acteur, elle cherchait sûrement ça. Donc peut-être que c'est ce qu'elle a voulu dire. Moi, je vais pas aller jusqu'à dire qu'elle voulait prendre un acteur beau parce qu'elle voulait lui rouler un patin. Je pense qu'elle voulait surtout caster quelqu'un avec qui elle avait une alchimie. Je pense que c'est plutôt ça. Et enfin, on arrive sur le dernier point qui est un peu particulier avec Mai Wen, c'est que, et qui fait beaucoup débat, c'est que c'est vrai que ses films, où elle est souvent rôle principal ou rôle secondaire, mais en tout cas présente, c'est vrai qu'il y a souvent un peu un ego trip dans ses films. C'est-à-dire qu'elle fait des films un peu pour elle. Il y a eu Police, où moi j'ai pas vu ce film, mais j'ai entendu qu'elle jouait une espèce de journaliste, et au final elle sortait avec le mec BG de la police à la fin. Là, elle joue Jeanne du Barry, qui est réputée comme étant une femme extraordinairement belle. D'ailleurs, au tout début, on voit son enfance avec une petite fille, une adolescente et elle. On va pas se mentir, la petite fille et l'adolescente sont magnifiques. Mai Wen est loin d'être une femme laide, on va se mettre les points sur les i. Mai Wen est très belle, mais elle est quand même moins belle que ces deux actrices qui ont été castes, qui sont censées être ses versions jeunes. Donc c'est vrai qu'il y a un côté où bon, c'est un peu ego trip, en mode oui c'est la plus belle femme, c'est la plus belle machin, et elle écrit ça sur elle-même, ça fait un peu particulier. Mais voilà, donc je suis allée voir en fait ce film avec ces trucs en tête, où j'avais entendu toutes ces informations sur Mai Wen, où j'avais entendu le côté un peu ego trip qu'elle avait dans ses films. Donc j'y suis allée avec ce côté où, oh, ok, bon on va voir ce que ça donne, mais ça a l'air déjà particulier. Et en fait, pour vous dire la vérité, bah le film était quand même très sympa. Il faut dire les choses. Il y avait les décors, ça se passait à Versailles, c'était quand même super cool. Ils ont tout filmé dans les jardins et dans le château pour une grande partie. C'était quand même très très beau à voir. Les costumes étaient magnifiques. Il y avait un côté un peu décalé avec... ça je dirais que c'est le truc qui m'a peut-être un peu moins plu. Il y avait un côté un peu décalé au niveau du langage parlé. C'est-à-dire que... il y avait ce côté où elle parlait comme si elle parlait de nos jours, en fait. Et ça, ça fait très bizarre quand on se dit « Oui, mais c'est la cour il y a 500 ans, il y a 700 ans. » Non, je pense pas qu'ils parlaient comme nous, quoi. Bon, pas avec du verlan, pas avec des trucs comme ça, mais elle parle comme là, je pourrais parler maintenant, en fait. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre, cet aspect-là. Je dirais que c'est le truc qui m'a le plus gênée. Après, niveau côté décalé, il y avait les filles du roi qui, elles avaient toujours des perruques énormes avec des perruques colorées en thème couleur. Enfin bref, elles étaient très over the top, mais c'était pas... Là, pour le coup, c'était plutôt pas mal parce que ça allait tourner au ridicule. Il y avait une liberté qui était prise là-dessus de tourner justement au ridicule les filles parce qu'elles sont en partie responsables de la déchéance de Jeanne du Barry, on va dire. Mais pour ça c'était plutôt pas mal, puis au niveau des acteurs le choix était quand même bon. Mai Wen elle joue quand même très bien, elle est très touchante, le scénario était bien écrit, c'était bien rythmé, les costumes étaient bien. Je sais qu'il y a eu beaucoup de débats sur le fait d'avoir casté Johnny Depp en tant que rôle du roi Louis XV alors qu'il a un accent. Alors oui il a un accent, c'est sûr, parce qu'il n'est pas français et qu'il n'est pas, il n'a pas appris le français. D'ailleurs, parenthèse, on peut aimer Johnny Depp autant qu'on veut. J'avoue qu'il a quand même été marié, je sais pas combien d'années, à une femme française avec des enfants qui parlent français. Il n'a pas été foutu d'apprendre le français. Ça, si c'est un truc qu'on peut faire en commentaire sur Johnny Depp, c'est au moins ça. Du coup, bah, c'était certes particulier d'avoir un roi de France qui parlait anglais, enfin français avec un accent anglais, mais déjà son accent n'était pas hyper fort. Ça sent qu'il a pris des cours pour la diction et la prononciation, donc l'accent n'était pas horrible, il faisait quand même des R prononcés comme ça, c'est juste que ça se sentait que c'était pas sa langue natale, c'est juste ça. Après, il parle pas non plus tant que ça, hein. Il parle pas tant que ça, ça n'empêche que il jouait très très bien le rôle, il a en effet une bonne tête pour jouer un roi, là-dessus il n'y a pas de débat. Après, il y a tout un débat sur Johnny Depp aussi que j'ai vu sur les réseaux, sur Twitter, parce que Twitter est un réseau magnifique, hein. On va s'en dire, c'est là-haut.
Tout le monde donne son avis et pense que c'est une généralité. J'ai vu beaucoup de gens commencer à critiquer Johnny Depp par rapport à tout ce qui s'est passé avec l'affaire Amber Heard. En mode, ah oh, bah dis donc, ça détruit en effet des vies hein, de se faire faussement accuser. Je vais pas donner trop mon avis là-dessus, mais je vais juste dire que Johnny Depp, c'est son premier rôle depuis cette histoire, qu'il a perdu tous ses contrats après les accusations, et que le seul truc qui lui a redoré son blason, c'est le procès. Jusqu'au procès, jusqu'à ce qu'il y ait eu ce procès public qui était fait, il ne signait rien en fait. Donc je comprends pas trop cette mentalité qu'il y a eu en mode oui, bah ça détruit des vies, dis donc, il va à Cannes, il a une standing ovation et tout. Oui, bah en même temps, il a eu un passage à vide pendant 5-6 ans en fait. 5-6 ans où il a rien fait, où il y avait que Dior qui acceptait encore de le signer, enfin bref. Donc tout ça pour dire que ça c'était la petite parenthèse parce que les gens ont pété un câble parce que forcément Jeanne Dubarry a été proposée à Cannes. Mais moi je pense que c'est intéressant de souligner ça et d'en parler parce que bah non, il y a quand même ce genre de truc, enfin c'est pas du débat en fait. Pour le reste, on va passer dans la partie spoiler pour pouvoir en parler un petit peu plus, sachant que cette partie, je pense, pour une fois, est plus conséquente que la partie spoiler parce que j'ai pas grand chose à en rajouter de plus en fait. Pour cette partie spoiler, on va faire le lien avec ce que je viens de dire sur Johnny Depp. On va commencer par le jeu des acteurs. Maiwen est très bien dans son rôle, mais je dirais que comme dit, le truc imaginé c'est le côté langage parlé, langage pas très articulé, très mâché. Alors c'est peut-être comme ça qu'il parlait réellement à l'époque, mais je ne sais pas, et moi ça m'a gêné quand j'ai vu le film. Parce que je suppose qu'ils étaient plus sur de l'ancien français quand même, un minimum. Et je dirais que le truc qui m'a un petit peu gênée, c'est qu'en fait, pendant tout le début du film, ils décrivent Jeanne Dubarry comme étant une femme qui est très éduquée, qui a vraiment une intelligence supérieure à la classe des nobles qu'il y avait. On la voit souffler des mots à des nobles qui sont sûrement plus éduqués qu'elle. Et en fait, quand elle arrive à la cour de Versailles, bah, d'un coup, tout ça qui est développé en première partie, bah, ça disparaît. Et d'un coup, elle fait un peu coconne. Il y a quand même des trucs où elle sait pas... Alors certes, elle est d'une certaine intelligence, elle est d'un certain humour, mais malgré tout, il y a quand même des trucs où on se dit, bon, enfin, je pense qu'elle est assez intelligente et qu'il y a des trucs elle l'aurait pas fait. Bon, ça, je dirais que c'est le côté négatif qu'il y avait sur ça. Et par rapport à Johnny Depp, bah forcément, le seul truc qu'on peut en redire, c'est son accent. Mais en dehors de son accent, bah en fait, finalement, c'était quand même très bien joué. Il y a notamment un passage parce qu'en fait les filles de Johnny de Louis XV détestent Jeanne Dubarry parce qu'elle vient de la petite du petit peuple et des trucs comme ça. Du coup, elles font tout pour l'évincer jusqu'à quand Marie-Antoinette arrive à la cour, elle lui donne la haine de Jeanne Dubarry, etc. Et en fait, ça énerve profondément Louis XV. Qui en fait à un moment arrive dans une pièce où il y a Marie-Antoinette, non je suis pas sûre qu'il y ait Marie-Antoinette, mais en tout cas il y a son précepteur et il y a ses filles, et en fait juste il arrive, il dit rien, il s'arrête devant tout le monde, il les fixe genre 5 secondes, en mode les bras derrière le dos comme ça, puis il se déplace, il la regarde comme ça avec un air énervé, et il ressort. Et ça, en vrai cette scène je l'ai trouvée extra, parce que c'était vraiment en mode, je vous dis rien, mais vous savez très bien ce que je pense, et j'en pense pas moins. Et ça, c'était vraiment, vraiment bien joué. Comme quoi, vous voyez, il a pas besoin de parler, en fait, pour être très bon. C'est quand même très cool de revoir Johnny Depp finalement revenir. Hein. Et pour tout le reste, franchement, j'ai pas tant de trucs que ça à en redire. Je suis allée voir la fiche Wikipédia de Jeanne Dubarry après pour voir si c'était assez fidèle. Moi, je trouve que c'est quand même assez fidèle. Après... ils ont peut-être un petit peu plus enjolivé la relation Marie-Antoinette-Jeanne Dubarry sur la fin pour faire un plot twist, parce qu'en fait il s'avère qu'en réalité elle finit par lui adresser la parole, parce que c'est tout le sujet de l'arrivée de Marie-Antoinette, c'est qu'elle n'a pas le droit, Jeanne Dubarry n'a pas le droit de parler à Marie-Antoinette tant que celle-ci ne lui a pas parlé. Et en fait Marie-Antoinette, n'aimant pas Jeanne Dubarry également, refuse de lui parler. Et en fait à un moment elle lui parle et puis hop ça égaye machin, et puis le roi finit par mourir et Jeanne Dubarry est chassée, enfin bref. C'était quand même bien. Mais c'est vrai que ça a été vachement en mode oui bon bah elle lui a parlé, c'est bon, tout est bien qui finit bien, mais bon après avec des textes écrits, Jeanne Dubarry meurt décapitée, etc. Bon, c'était quand même très sympa, moi j'ai quand même beaucoup aimé ce film, j'ai passé un bon moment. Il y a quelques trucs qui m'ont un peu moins plu dont je vous ai parlé, mais fondamentalement, est-ce que c'est un mauvais film? Non, c'est un très bon film. Est-ce que ça fait quand même Ego Trip de Maiwen?
Oui, quand même un petit peu, on va pas se mentir. Mais pour le reste, franchement, allez le voir si l'histoire de Jeanne du Barry vous intéresse. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même bien rendu et j'ai quand même passé un bon moment. Donc, je peux pas vous en dire du mal si j'ai passé un bon moment. C'est la Pauline du montage qui a oublié de faire sa conclusion de vidéo. Mais on entend les sirènes, c'est nickel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!